fait un truc, c'est fini. Okay. Ah non mais lui. On est parti, on va partir. Je j'ai pas entendu les dames, donc ça va être un mystère pour moi la map. Non, j'ai pas entendu non plus. Alors on va mettre. Hop. Bien joué ça. T'inquiète, on connaît hein. On est parti. Je me suis trompé. Hop. Et on est parti sur PS2 hein. La gare du Nord, hein, comment dire. La fameuse gare du Nord. Et ça c'est la map ultime, j'adore. Ok, alors là on va partir sur un. On s'est patient. On dirait presque un button check là. Ok, on est parti sur un air. Ok, la spot dodge qui passe. Bon, bien. Les fameux. Ouais, il a tenté le. Il a tenté le petit confirme tranquille. Hein. Mais ouais, vu qu'à tech, c'est pas passé. Ok. Franchement, je craignais de ouf les uppers de Chrome. Mais à part le fait que c'est un jugger, en fait, c'est pas, ça fait pas tant de dégâts que ça. Je crois non, que ça fait 8%. Mais après, ouais, c'est clair que c'est ça. Ouf, le bon pari là sur le. C'était bon, franchement. Ouh, oh, c'est pas Roy. C'est pas Roy. Après, il y a 69%. Tout ah, est 69%, possible. C'est fini, il a gagné là. Ok. Petit... Ouf. Oula. Tentative de double douille là. Ok. Et les MC Hop de. Ils sont flippants les MC Hop de Dark Shadow, hein, genre. Tu m'as pas si c'est d'installer des setups, enfin faire un setup. Regarde, il y a des nerfs 1. Oh, il a pas réussi à connect. Ouh, jab back air, raté malheureusement. Alright. Ok. Ouais, ça c'est un gros classique. Ça se cherche dans le neutral. Hein. Ah, ouais. C'est, il a chopé le petit grab. On va trouver un EP, on va tirer sur le Jugger. Ouais, sur le fer, bien joué ça. Ah, et j'ai remarqué c'est plus dur à jugger, enfin c'est plus dur à direct dance le upper de Amphinobi je crois. Oh là là, et le fameux on en parlait. Oula, ça tilt, up smash, ça dégage, allez next stock. Ça dash dance, enfin un peu dash dance, ça crouch dance. Ah la get up attack bien joué. Ouais, il a pas tech deux fois. Ah mais il y a aussi à. Extrose, Zetrose, je sais pas comment tu veux. On va dire vas-y Zetrose. Ouais Zetrose. Zetrose il a des bonnes phases de désavantage, je trouve qu'il gère bien son projectile. Quoi. Et ça j'ai remarqué il met bien la distance avec son fer, genre il se recule pour faire son fer. Ouais voilà. Ok, oh là ça a tenté, c'était flippant. Oh, il a été patient mais il n'y a pas eu de finish là-dessus. C'était un peu flippant pour le coup. Ah j'aurais pensé. Okay, ouais, est-ce qu'on va trouver une petite phase de Dead Guard de Neutral B, ouais, le classique mais ça passera pas, je pense. Pas de contre un joueur contre Zetrose, hein, comme Zetrose. J'aime beaucoup le mouvement de Dark Shadow. Ah ouais, non, mais. Bon, au moment où je dis ça, il fait une dash attack en neutral comme ça, mais. Je sais rien, mais il bouge trop trop bien. Oh putain. Ouh. Ouh, on la connaît celle-là. J'ai fait ça avec Mario, je me suis fait hubby de fake, j'avais la haine. Ah, mais genre, ce hubby, il fait rien 90% du temps, mais le jour où tu te le prends avec quand t'as une recovery un peu exploitable, si t'es genre Cloud ou Chrome justement, ouais. Bah t'as le seum là. De ouf. Ah, et, ça tente le side. Amphinobi qui veut pas mourir, hein. Après, il a tenté le side B, mais c'était vraiment trop visible que ouais, qu'il essayait de faire, il a que c'est pas passé. Oh mince, la DI. Il est parti droit. Je sais pas si la DI était passible. C'est parti. Oula, ok, back air, c'est bon. On est à 2 stocks à 1. Après, c'est Chrome, hein, ça a des phases un peu dégueulasses. Il y a moyen que ça revienne. Hein. Ouais, après, ça me semble compliqué parce qu'il y a l'air de ouais, bon connaître. 47% à ce petit combo, ça fait mal. Hein. Ouais. Tout ça à partir d'un tilt, c'était ça? Ouais, dans le tilt, top smash, on connaît. Hein. Classique upper back air. Ouais, voilà. Est-ce qu'on va trouver la tech chase? Non, on est un peu loin. Ok, le FR qui va passer. Oh là! Oh là! Oh là! Ouf! Et là, il y a tout le monde. Ok, il avait aucune peur là. Il s'est dit, vas-y, je peux peut-être mourir là-dessus. Mais c'est étonnant parce que Darchaz il joue pas si agressif que ça, j'ai remarqué. Alors qu'il joue un perso grave rush down. Et en plus, Amphinobi en out of shield pour l'instant, c'est pourri. Ouais. Je pense après, il connaît sûrement mieux le matchup que moi, donc on va pas. Ouais, après, on va pas faire les experts. Voilà. Bon, ça se croit, elle tue. Ah, donc. Ouf. Ça aurait pu te faire mal, ça aurait pu te faire très mal. Après, ça fait des tech chase infernales les downtilt. Hein, après, peut-être ça, que je pense qu'il a besoin d'être justement plus agressif sur ce matchup, parce que sinon. Ouais, peut-être. En tout cas, c'est le genre de choses qu'on pense entre les deux games, ça. Ouais, okay. On a spiké en plein milieu de la télé. C'est vrai que. Peu de monde qui utilise le down air de. Oh, le side B qui tue, on a l'impression d'être dans un match online, ça fait mal. Hein. Non, ça aïe froid. Aïe, ah, ça se prend le tue là, d'accord. Ouais, très bien. Aïe aïe aïe. Il a vraiment fait side B, la petite ombre elle a bougé, il est mort. Ouais. Putain, c'est tellement visible ce coup et c'est tellement punissable. Enfin, mais après, bon. Bah ouais, mais en même temps, c'est dur. Hein. Pensez à avoir le temps, je sais pas. J'avoue que c'est un peu dur pour Pro, mais je me demande si Darkshad va céder à la puissance du Ditto là. Va-t-il prendre Amphinobi? Putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu jouer Amphinobi en plus. Ouais, mais je crois qu'il veut plus le jouer. Ouais, si on m'a dit parce que s'il s'ennuie avec ou un truc du genre. Ok. Ouais, je comprends. Ah ouais, c'est un game placé, enfin c'est vrai que c'est un game placé monotone, t'as pas une grande versatilité.
comme Link, on va dire, par exemple. On est parti sur un... Bridge of je respecte totalement pour le choix des OST, moi déjà je suis très content. Pareil. Surtout le choix de la map, j'adore, ça me fait plaisir. Ouais, voilà. Sachant qu'on peut pas prendre la map de Billette en version Omega et en version champ de bataille parce qu'elle est plus basse que les autres. Sérieux? Ouais, il y a eu un bug comme ça, ça va être corrigé. Ouais, il y a quelqu'un qui a découvert ça, c'est incroyable. Putain, c'est trop chaud les gens découvrir ce jeu. Ouais. Bon, on s'est commencé un peu, avec un petit. Et j'ai l'impression que Darkshad il a envie de taper dedans. Ouais, là c'est bon. Ouais, là il va taper. Hein. Ah, là, il a envie de bagarre. Je pensais qu'il y allait juggle avec ses pairs, mais non, il n'y a pas le temps. Donc, oh, le jablock, Ouf. Oh là là, et les phases. Ah, moi qui pensais que ça allait être un smash, mais c'était un joli combo. Ouais, non, il a Dante le back air. Ok. Ah, ce B en fait, il est vraiment sous-côté, je trouve. Alors, tout le monde le trouve fort, mais pour moi, il est vraiment très très fort. Hein. Ah, ouais, non, mais c'est excellent, je trouve. Hein. C'est vraiment très très fort. Moi, c'est insupportable. Je fais un air, ça y est, je me prends la sauce. Comme pour celui de Cloud d'ailleurs. Ouais, effectivement. Cloud un peu. Ça passe pas. On a tenté nerf 1 smash. Ouais. Nerf 1 F smash, c'est costaud. Ah, en vrai, genre, tout le monde pense que ça, c'est trop, mais c'est pas trop du tout. Non, je pense pas. C'est trop avec Lucina, il me semble. Non, même pas. Même pas ? Ok. Alex Heroes. Oh, ok, go. Le petit backer en landing, bien joué ça. Oh le putain, il a eu, let's go, bien joué ça. Il a lu dans son esprit, il l'a téléchargé. Ah là là. Et Darkshad qui est en tête pour la première fois dans ce set là. Ouf. Dante, ouais, c'est bien dit. Il va revenir. Ah non, le fameux B qui va dire allez salut. Le fameux flood qui reviens par le haut de cette la prochaine fois. Très fort pour douiller. Ah non, mais c'est Chrome, ouais. C'est le perso qui doit se faire douiller vraiment. Ouais, ce B il est très fort en tant que move offensif, mais c'est clair qu'en B de recover il est pas. Malheureusement, le deuxième coup du B a pas connecté. Du coup, ça l'a juste décalé vers la droite. Ah, bien joué ça, il est passé par-dessus, il n'a pas attrapé le ledge. Pour l'instant, c'est even, hein, vraiment. Sa petite phase des guards, mais ça va. Ok, le grab. Darkshad revient. Ouais, c'était agressif sur le désavantage là, c'est marrant. Ah, dommage. Le backer qui a pas connect, du coup, il a pris une punish. Oh, le B qui va punir non, là, le nerf qui il sort en combat. Est-ce qu'il va pouvoir se faire edge guard? Là, la chrome, il est vraiment pas à l'aise, oh là. C'était. Un bon mix-up cette petite Erdogan finalement. Ouh. Aïe aïe aïe. Enfinomique on a trouvé le backer ou pas? On a trouvé le backer. Il a attendu toute sa vie, la patience. Bien joué. C'est la très très bien joué. C'était pas mal. Hein. Très très bien joué de ce backer. Il sait ce qu'il fait. Hein, oh là là, et ça y est, il a eu. Nerf 1 F-Smash, je sais pas si c'était trop encore une fois, mais ça a l'air en tout cas. Darkshad il aime bien partir là-dessus. Hein. C'est trop avec Mars, Lucina et Chrome. Okay, le nerf... Ah d'accord. On va le prendre pour acquis, c'est trop. Moi j'ai confiance en toi en tout cas. En même temps, Darkshad a l'air aussi d'avoir confiance en se confirmant. Ok, trois fers. Darkshad il est devant. Il est devant et on a pris backer. Ah, c'est la quatrième event, le premier qui sera à 69%, on m'appelle. Ah voilà, ça y est. Ah non, il a perdu trop tard. Il était à 69, il a pu gagner. Ok, le oh là là. Et qui space bien ses fers un peu à la manière de. Elixir. J'oublie le nom, ouais. Ouais, merci. Ah non, l'air dodge. Ouh. Ah, il revient, je m'attendais à ce que ce soit fini là-dessus. Il a raté sur le Zira B. Ouais. Oh, let's go. Et ça tue. Let's go, Francis. Et ça tue. Et ça fait 1-1. Ah d'ailleurs, j'ai. Et ça fait 1-1. On va upload les scores, ouais, c'est bon, on a ça. Complètement d'update les scores, désolé les amis. Voilà. Ouais, on se confirme qu'il est vraiment très fort, mon dieu, en fait. Ah ouais, ouais. Mais il le cherchait souvent, j'ai remarqué qu'il faisait souvent des. Ouais. Ouais. Ouais, en fait, on vient de les mettre là parce qu'on avait pas pisté. Sumimasen. Ça marche. Vas-y. Bah, quand je vais jouer, t'inquiète. Donc, on va partir sur une game 3 dans ce BO3 aussi. Tout n'est pas perdu, Xetros peut encore le faire effectivement. Ouais, je pense qu'il a le mental. Franchement, il a le mental. Il a un peu changé de game plan là, ouais. Darkshad. Il a dit je vais faire la bagarre cette fois. Et il a pas perdu la bagarre. Il s'est fait un peu edge guard quand même. Va falloir faire attention à ça. Mais en même temps, c'est Chrome, hein, c'est exploitable. Bon, du coup, 1-1. C'est mignon. Et on va partir sur. On va sur la même map, mais en DF. En DF cette fois. Le pont d'Andrine, magnifique. Je vais aller de la Allez, on est parti sur un Tomahawk direct, double grab. Allez, c'est parti. Ça commence vénère avec déjà 28% sur Enfinobi. Ok. Et Enfinobi qui space ses fers comme ça, c'est très fort ce coup. Surtout que le fer à l'eau pour cent, tu peux enchaîner sur certains coups. Genre, je me rappelle, je m'étais pris une fois un fer into grab et tout. Je fais un coup. Wow. C'est particulier ça.
Ok, le faire en désavantage qui marche encore une fois. Oh, bien joué, ah, ça se mix-up. Vers cette vie. Ok. Et Darkshot qui est pas mauvais en l'échrappe là, qui en même temps Chrome c'est fort en l'échrappe. Ouais, okay, il est très patient en tout cas. De toute façon, il est obligé de rester patient parce que sinon il va trop facilement au fin du billet. Ok. Et il peut inverser la tendance très facilement. Genre là voilà, par exemple, comme oh ça. Oh là, S-Backer il a ruiné le jump comme ça. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Bah non. Et non, c'est gratuit ça du coup. Ce Bill là qui va dire avec sa winbox, il va dire allez, reste dehors là. Ok. On a pas tenté le backer là-dessus. Ah, jab, backer, allez, backer, ça y est, Nishinoma a des frissons dans la salle. Ok. Nishinoma, est-ce qu'il regarde? Nishinoma a des frissons dans la salle. Ce ok. Bien sûr, on est sur une bataille de fer là, attention, le pari, on va rien trouver, on a trouvé un footstool, étonnamment. Mais j'ai trouvé un très bon fer, mais en fait, il approche plus, comment dire, Darkshot approche plus avec son upper qu'avec son fer de toute c'est façon. Vrai, c'est vrai. Il peut large combo sur des trucs. Voilà. On a trouvé la dash attack. Ça pas connecte. Oh, et ça a break down avec un upper, excellent. J'en parlais tout à l'heure, c'est pas ça. Les phases d'avantage de Zetros, elles sont vraiment chambres, je pense. Mais quand il a l'avantage, il le garde. Aïe, ouf. Il y a eu une air dodge un peu bizarre, mais elle n'a pas été punie par Zetros. Ok. Ça a quand même fait ça a tenté d'un petit top slash. Et Darkshot qui est un peu dans la panade là-dessus. Ouais, il essaie de trouver une ouverture. C'est pas le perso le plus lourd. Ah, oh, mais c'est mort là-dessus. C'était mauvais. Ah, il est parti tout à gauche, ouais. C'était bizarre. Je pense qu'il a essayé de DI sur le down tilt et il est resté sur le fer. Ah, le perfect shield, mais qui lit de tout rien, vraiment. Oh, le pari. Ah, bien joué, pari avec le Tomahawk. Ah, c'est un peu spaghetti. Darkshot qui a vraiment vraiment envie de tuer là. Philippe qui approche avec le nerf pour une fois, mais. Waouh. Le petit rare back air magnifique. Ouf. Encore une. Est-ce qu'on pense à Edge Guard? Ouh, c'était tendu, c'était tendu. On a tous eu peur. Ok. Il s'en est sorti avec un upper cette fois. Et Darkshot qui peut revenir. Voilà, Darkshot. En fin de vie qui a de l'avantage et qui veut vraiment pas le lâcher. Ouais, tu restes loin, il a dit. Il dit j'ai un fer, tu restes loin de moi s'il te plaît, j'ai peur. Ok, ça grave dans le neutral, je vous compris. Voilà, pourquoi je pas. Retire tous les compliments que j'ai pu faire. Regarde, là tu restes loin de moi, j'ai trop. Ah, dommage, c'est le père. Ouais, il a tenté de backer après ce pari. Ah, ça va mourir là-dessus. Et ça va mourir. Et c'est 2-0 pour Zetros finalement. C'est bien joué. Chelou à prononcer. Bien joué. C'était pas mal, vraiment c'était pas mal. Maîtriser ses confirmes proprement. Il est. Oui, Zetros. Il a bien cassé la gueule. Un grand oui. Dès que Chrome a fait une petite erreur, il prenait le confirme.